l'opinion grecque a voté pour ne pas avoir le mémorandum, pas avoir de l'austérité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la discipline budgétaire est pour chaque pays une condition nécessaire. La Grèce, ces dernières années, a payé le prix exorbitant de ne pas avoir observé cette discipline budgétaire pendant une longue période antérieure. Et il faut que chaque pays fasse ses réformes structurelles à l'intérieur, ce que, en partie, la Grèce, ces dernières années, a bien fait. Et il faut aussi qu'il y ait des politiques au niveau européen qui soient porteuses de croissance pour tout le monde. Et là, l'Europe n'est pas encore à la hauteur du défi. Mais ce sommet même de ce soir, ainsi que celui qui suivra à fin juin, sont effectivement le témoignage que l'Europe a décidé d'accélérer sur le plan de la politique de croissance. Et dans le cas qu'il aura des partis qui vont gagner aux élections, qui veulent renégocier le mémorandum, alors qu'est-ce qu'elle va Je faire Je crois que ce serait très difficile, parce que on voit mal comment certaines concessions pourraient être faites à ces nouveaux partis qui n'avaient pas été faites à ceux qui s'étaient engagés pour une Grèce européenne. Et d'autre part, je crois qu'il y a aussi d'autres pays dans l'Europe qui ont eu se soumettre à des programmes Union européenne, Fonds monétaire international, qui pourraient invoquer une disparité de traitement. Donc, nous sommes à côté du scénario que la Grèce quitte la zone euro. Je crois que non, et j'espère que non, parce que j'ai vu que, enfin, tout le monde sait qu'un très haut pourcentage de la population grecque souhaite rester dans l'eurozone. Nous nous sommes exprimés unanimement ce soir, les leaders des pays, d'ailleurs de toute l'Union européenne, pas que ceux de l'Eurogroupe, en souhaitant que la Grèce continue à en faire partie. Et je crois qu'au fur et à mesure que la date des élections se rapproche, la sagesse qui a été inventée en Grèce il y a un certain nombre de milliers d'années va prévaloir.